Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est le grand jour, aujourd'hui je vais annoncer des grands gagnants. Pour le moment je ne sais toujours pas qui sont ces gagnants, là il faut savoir que je viens de me connecter et que je ne suis plus abonné. Et donc je voulais tout simplement m'acheter, bon là, faites pas gaffe au Kamala parce qu'encore une fois c'est pas ce que j'ai en entier, enfin il y a encore des trucs à savoir, c'est que... Déjà, premièrement, normalement, demain, je vous proposerai l'avancée, le bilan, l'objectif Kama. Franchement, c'est complètement énorme ce que j'ai pu réaliser en 2-3 semaines. Mais bon, je vous en parlerai demain. Et du coup, bah les gars, regardez, lorsque j'essaie de payer juste une semaine, une petite semaine d'abonnement pour un seul petit perso, je paye quasiment 1 million. J'ai 6 persos, ce qui fait 6 millions de Kama par semaine. Alors oui, après, on va me dire, ouais, mais Joy... Par semaine, tu te fais combien? C'est vrai que par semaine, je peux me faire beaucoup plus. Mais je trouve ça assez chaud quand même. Après, on pourra toujours me dire, c'est vrai que payer en euros, ça fait 5 euros le mois. C'est vrai que 5 euros le mois, voilà, c'est un grec. En soi, c'est pas grand-chose. Mais 5 euros plus 5 euros, enfin voilà, plus 5 euros plus 5 euros. Moi, j'ai 6 persos, ça fait quand même déjà 30 euros par mois en plus des factures qu'on a à payer à côté. Bah, c'est pas forcément très facile, mais bon. Du coup, sans plus tarder les gars, je vais annoncer les grands gagnants parce que voilà, il y en aura 3. Il faut savoir que vous avez été vraiment assez nombreux, je crois qu'il y a quasiment eu 300 participants, quelque chose comme ça, 264. Et j'ai regardé, j'ai analysé plus ou moins les personnes qui me donnaient les réponses. Il y a beaucoup de personnes, mais vraiment même énormément, j'ai l'impression que 90% des personnes qui ont participé, eh bien, ont donné la bonne réponse. Donc a priori, mes questions n'étaient pas très compliqué. Donc la première question, je fais juste un petit rappel, la première question c'était il y a un an et demi, j'avais changé mon CRA en une classe, quelle était cette classe? Et la deuxième question c'était mon ancienne team était composée de combien, enfin de quel personnage? Donc j'en avais 7, je vous avais bien précisé, je vous avais aidé pour le coup. Et donc j'utilise le site Sandra Cyr, c'est un abonné qui m'avait conseillé. Le but est simple, c'est-à-dire que vous prenez le lien de votre chaîne, enfin d'une vidéo quoi. Vous faites un copier-coller, vous faites load commande, donc en gros là ça télécharge tous les commentaires qui ont été postés, absolument tous les commentaires. Et ce qui va se passer, c'est que bon là du coup il est en train de charger, là en fait il est en train d'analyser tous les commentaires. Donc il faut savoir que c'est des commentaires uniques en fait. Donc là, voilà, il me dit bien, ok, bon, a priori il y a 258 commentaires différents, enfin de personnes différentes. Il faut savoir qu'il y a eu un peu plus de commentaire 264, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a spammé parmi ces 264, mais malheureusement pour vous ça ne marchera pas. Du coup les gars, pour les gagnants, ce qui va se passer c'est que, je vais le répéter encore une fois dans cette vidéo, les gagnants, les 3 gagnants auront la possibilité ou de gagner 2 millions de kamas sur Pandore, ou alors de gagner, enfin de me demander des kamas sur bêta, beaucoup de kamas, hein, c'est je sais pas, je dirais 60-70 millions. Peut-être même des stuffs sur bêta, bref, on verra ça avec les gagnants. De toute façon, il va falloir me contacter sur Facebook pour les personnes concernées. Et la troisième option, une option vraiment assez spéciale, c'est tout simplement que le ou les gagnants me contactent sur Pandore pour leur faire passer tel ou tel donjon. N'importe quel donjon de jeu, je vous le ferai passer, voilà. Bon bah du coup les gars, c'est parti, donc random pick justement winner. Donc là, on va voir. Alors, qui c'est? The Great Scott. Il nous propose un Ekaflip, c'est juste. La deuxième question, c'est Cryop, Panda, Eni, Zobal et Nusram. Eh bien, figure-toi que Scott, tu as déjà gagné. Je t'invite déjà à me contacter sur ma page Facebook. De toute façon, les personnes qui me contacteront pas, malheureusement, eh bien, ça sera perdu ou bien je relancerai le concours. Mais il faut à tout prix que vous me contactiez sur Facebook parce que c'est le seul moyen, j'estime, ou Twitter, peu importe, mais c'est le seul moyen où je peux vraiment vérifier les coordonnées de la personne. Du coup, c'est parti pour un autre deuxième commentaire. Est-ce qu'il y aura un autre gagnant? Alors, Goker et Cop, question 1, SRAM. Aïe, 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 aïe. Ah Goker, franchement, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé pour toi, mais rien que la première question, elle est morte. Et la deuxième, c'est Eni, Panda, Kra... Eni, Panda, Yop, Kra, Enu, Zobal, Eni. Ok, donc lui, il a mis deux Eni. En fait, le SRAM, t'aurais dû le mettre à droite, déjà, et changer le SRAM en Ekaflip. Bon, bah, je suis désolé pour toi, Recop, mais... Bah, du coup, tu laisseras plus de chance aux personnes qui... qui ne sont pas encore gagnantes. Du coup, c'est parti pour le troisième commentaire. What? Les gars, attendez, c'est une grosse blague. Vous pouvez voir ici que The Great Scott a posté un seul commentaire, il est tombé deux fois. Deux fois sur 258 commentaires.
Non, non, soit je suis cocu de ouf. Franchement, je pense que je vais taper un croquial là tout à l'heure parce que là c'est juste pas possible. Ou bien jouer au loto, ça serait mieux. On choisit un autre commentaire. Ok, Joe le Beau. Alors, Yob the Ball, Kra et Ni et Nu Panda. Bon, Panda il a vraiment très mal écrit. Et SRAM. SRAM était là que à la fin. Ça c'est vrai. Mais la première question elle est où? Je suis désolé, mais encore une fois, Joe le Beau, si tu regardes cette vidéo, enfin, j'ai bien posé deux questions. Yob, Zobal, Kraini, Enu, Panda et SRAM. Ça déjà c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Ça, il y a les 7 persos que j'avais. Mais t'as oublié de répondre à la question de en quelle classe mon Kra a été changé il y a un an et demi. Je suis désolé, malheureusement, je ne peux pas te valider parce que sinon, bah, ça serait te donner un petit peu trop de faveur. Dans ce cas, bon, c'est parti pour une autre personne. Alors, Maxime, bah écoute, lui là, lui, putain, mais franchement, toi aussi, si tu regardes cette vidéo, je dois être quand même assez dégoûté pour toi. Gros GG à toi, je te suis H24. Continue, poto, bah écoute, merci, gros big up à Maxime. Bon, c'est un petit peu dommage, t'aurais pu gagner du coup, puisque ton nom est sorti, mais tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Alors, la capitaine Doc qui vient du serveur Ulette GG Joy pour les 40 000. Pour tes questions 1 et Kaflip, c'est une bonne réponse, il me semble. La deuxième question, ton ancienne team était Yob, Kra, Enu, Panda, Eni, SRAM, Zobal. C'est effectivement ça, donc voilà les gars, nous avons le deuxième gagnant qui est capitaine, Doc, Ulette. Gros big up à toi, je t'invite à me contacter sur Facebook ou Twitter, voire même les deux si tu tiens vraiment à la récompense. Du coup les gars, bah là ça va être le dernier, ça va être la dernière personne qui sera choisie. Comment dire, bah qui sera choisi en fait. Donc je stresse un peu, c'est vrai pour vous, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de participants et je me dis que bah tout le monde a le droit de gagner, mais voilà, malheureusement c'est pas possible. Alors oulalalala, là 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 là. Oulalalala, là 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 là. Donc là les gars, on a Stewie, enfin Stewie, ok. Et Kaflip, très bonne réponse. Deuxième, Kraini, Enu, Yop, Panda, Zobal. Pour le moment, ça allait super bien. Il y avait la team de 6. Et le dernier, je crois, Oza. Ah, je suis désolé pour toi, encore une fois. Le dernier, c'était SRAM. En fait, mon ancienne team était composée de Kraini, Enu, Yop, Panda, Zobal et SRAM. Le SRAM, je l'avais rajouté tout à la fin. J'avais même fait plusieurs vidéos sur le SRAM. C'était vraiment d'ailleurs un moment magique. J'avais bien stuffé ce SRAM-là. Peut-être que j'en referai un dans ma team actuelle. Et franchement, les gars. Je stresse un peu pour vous, encore une fois. Alors, Mohamed Benalouf, je crois que t'as changé ton Kra en EKOR. C'est effectivement ça, bien joué. Enfin, OR multi, quoi. Et ton ancienne team était composée de Kra, Yop, Panda, Eni, Zozo, Enu et SRAM. Bah écoutez, je crois que les gars, on a notre troisième gagnant. Voilà, Mohamed Benalou, je t'invite également à me contacter sur Facebook ou sur Twitter. Maintenant, les gars, ne quittez pas la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas gagné. Il faut savoir que si jamais une ou deux, ou voire même les trois personnes ne me contactent pas sur Facebook ou Twitter, si je n'ai pas de nouvelles au bout de 3-4 jours, ce que je ferai, c'est que tous les commentaires ici, donc là premièrement je vais les garder, et donc s'il y a par exemple deux personnes qui n'ont pas été, qui m'ont pas contacté, je re-choisirai parmi tous les commentaires qu'il y a déjà deux autres personnes. Donc les gars, ne perdez pas espoir, parce qu'il faut savoir que c'est déjà arrivé et que je l'ai déjà fait en vidéo. Il y avait une personne qui m'avait pas contacté, donc forcément j'ai dû refaire un tirage au sort et cette fois-là la personne avait gagné. En tout cas bah bon, j'espère que les gagnants du coup sont contents. J'espère surtout que les gagnants sont informés et regarderont cette vidéo parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi en tout cas les gars, bah je vais me déconnecter. Enfin je vais me déconnecter, non en fait, je viens à peine de me connecter, mais je vous cache pas là, je réfléchis au green ou euro parce que regardez voilà, le prix augmente encore, je sais pas trop quoi faire. J'ai mis en plus beaucoup d'items en fait en HDV. Là je sais même pas, attendez, je vais juste regarder un truc en HDV ressources. Je sais même pas, parce qu'en fait c'est vrai que je suis quasiment tout le temps abonné, mais là en ce moment je m'abonne semaine par semaine. Voilà, HDV ressources, la question que je me pose, parce que vu que je suis tout le temps abonné, est-ce que en non abonné on peut mettre des ressources en HDV? Il faut savoir que justement hier j'avais blindé l'HDV ressources pour, je sais pas, 23, 24 millions, et là je me reconnecte, il n'y a plus grand chose. De toute manière, dans tous les cas, je vais devoir réabonner le. Enfin, il y a plus grand chose qui s'est vendu, mais de toute façon, ouais, vu que là aujourd'hui, enfin, c'est une nouvelle semaine, j'ai de nouveaux clients APL, et bien la question c'est oui. Et donc voilà, il y a une personne qui s'est amusée à mettre un Kama moins cher, mais des challenges que j'avais droppé tout ce week-end, il y en a quand même 10 ou 20 qui sont vendus, c'est pas trop mal. Ici, on a également des.
les larves aussi qui sont vendues. Franchement, les gars, ça se vend bien. Mais de toute façon, voilà. Normalement, demain, les gars, je vous fais un bilan de l'objectif milliard. Enfin, franchement, quand vous allez voir les chiffres en 2-3 semaines, vous allez halluciner. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous en faites pas pour ceux qui n'ont pas gagné. J'organise très souvent des concours. Pourquoi? Parce que je me mets à votre place. Je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien, qui n'ont même pas de quoi s'abonner. Moi aussi, j'étais dans votre situation. Moi aussi, j'ai trimé. Moi aussi, j'ai galéré. Et du coup, bah, vu qu'aujourd'hui j'ai plus ou moins les moyens de vous aider, bah j'essaie de faire ce que je peux justement pour organiser le plus de concours possible afin que vous puissiez jouer tranquillement et convenablement. C'était Joystick, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve comme d'habitude très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.